Alors le concept d'Issitu est né il y a 3 ans, nous en sommes à la 3e édition. L'idée c'était de faire une place de choix à la lecture en public, puisqu'on lit beaucoup aux enfants, mais on oublie de continuer ce travail auprès des adultes et des plus âgés, qui est le plaisir d'entendre un texte à travers la voix d'un comédien. Nous avons profité d'une lecture agréable dans un décor très évocateur de romans de Rebecca. Très belle expérience. C'est le projet d'Insitu, pas uniquement de la lecture, mais aussi de décaler l'accès à la littérature dans des lieux dits insolites, improbables, inaccessibles, curieux, voilà. Donc c'est ce mélange en fait entre comment on peut aussi convier des publics à écouter un texte dans un lieu qui, on l'espère, le charmera ou le surprendra, autant le texte que le lieu. Alors les nouveautés, c'est chaque année de trouver effectivement des nouveaux lieux. L'idée étant qu'on a commencé par un projet uniquement bordelais. Et aujourd'hui, le plaisir qu'on a, c'est qu'il soit inscrit dans l'été métropolitain, la saison culturelle paysage de Bordeaux, et donc d'être à la fois sur Bordeaux, Bègles, Floirac et Mérignac. Le principe du marathon fonctionne bien, c'est-à-dire que les personnes s'inscrivent à plusieurs lectures. On s'appuie sur les villes pour aussi nous induire ou nous pointer des sites qui leur semblent aussi intéressants. Et au-delà de cela, de faire travailler les bibliothécaires qui seront à même d'être en charge de trouver le texte dans leur fond d'un écrivain étranger en regard du lieu. Je crois qu'on touche un public qui joue sur la légèreté du projet, puisque ce sont des lectures qui durent 20 minutes, pas au-delà, qu'on change de lieu donc toutes les 45 minutes à peu près, et donc un côté ludique, très joueur. C'est une autre manière de toucher les publics. À l'arrêt et qui offrait certaines garanties d'impunité, non pour la voler cette fois,